Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cette vidéo de Destiny 2 pour vous parler du lien séculaire, l'automatique du dernier vœu. Alors en fait je vais abréger vite la vidéo maintenant, comme ça les gens ne se lassent pas trop et regardent surtout, parce que en fait je remarque dans les statistiques, que ce soit dans mes vidéos ou dans n'importe quelle vidéo de youtubeur connu, que les gens au bout de 2-3 minutes ils se lassent et ils arrêtent de regarder. Du coup on va passer de suite à la présentation de l'arme sans plus tarder. Alors la 13 aigle, vous pouvez le mettre en rechargement. Alors dans les canons ça va de soi, moi j'ai mis rainurage forgé, mais je pense que c'est le meilleur à mettre en soi. Dans les chargeurs, munitions stables je le mets pas, chargeur en alliage ça me sert pas, chargeur rapide non plus, chargeur augmenté ça baisse trop le rechargement donc non. Chargeur tactique je le mets pas non plus, et munitions de précision ça me sert à rien. Donc en fait moi ce que je veux c'est avoir un plus gros chargeur, je vais dire, mais sans que ça me pénalise les autres broches. Donc le meilleur pour moi c'est le chargeur d'appoint. Alors là, en première case, très honnêtement, il n'y a aucune perk qui est très intéressante pour un automatique. Même le libellule, c'est pas top. Pas vous cacher. Par contre, le renfort répulsif, lui, il va être plus utile. Donc c'est éliminer une cible qui subit un malus abyssal, vous conférez un surbouclier qui dure plus longtemps. Donc comme on va jouer avec une doctrine abyssale, qu'on va faire des malus abyssaux partout, et qu'on va éliminer une cible avec ce malus, avec cette automatique, je vous le cache pas que voilà, ça va vous conférer un surbouclier, mais ça va durer plus longtemps. Voilà. Donc ici, harmonie, fureur concentrée, tricorne dorée, chargeur mortel, non. Verrouillage de cible, non. Action collective, non. Et donc il reste que munitions déstabilisantes. Hein. Et ici, dans ce cas-ci, c'est les frags, rod, les cibles proches volatiles. C'est ce qu'on recherche avec un bull d'abyssal en général. C'est rod, les cibles volatiles. Donc les frags, rod, les cibles proches volatiles, la récupération, les activations et réduites. Voilà. Donc voilà le godroll, je vous laisse 2 secondes à l'écran. J'espère que ça en aura des certains. Et sur ce, salut, ciao, bye bye.